tu vas m'en faire pleurer là. Genre, ce serait le scoop là, vas-y, d'avoir qui pleure. Ouais. Non, alors. Je suis préparé psychologiquement, j'ai essayé de préparer depuis 3-4 jours depuis Zumbeshi. C'était dur. Et bon, c'est comme ça. Bah, nous aussi, c'est dur qu'on ne te voit plus, mais bon, on comprend. Hein, on comprend. Je sais que si je continue, après. Départ, j'ai un peu mal. Après, quand c'est chaud, j'ai pas mal. Je cours, je prends des photos, je fais un boulet fou. Et soit j'ai bien mal, même de côté. Je sais si je continue, bah, après, je me détruis. Et c'est la seule solution d'arrêter. Les médecins, ils m'ont dit de reposer. Alors, en courant, c'est difficile. C'est difficile. Mais bon, on passera à toi et on prendra des photos, on t'entend ça, puis on te fera un compte rendu. Je compte sur vous de faire un peu de belles images si vous avez eu le beau temps. On va prendre du bonheur, on va prendre du plaisir à découvrir ton pays. Jusqu'à là, j'ai filmé, j'ai pris des photos tant que j'ai pu. Et puis là, à partir de là, je serai pas avec vous, mais mon corps, il est pas avec vous, mais ma tête, il est avec vous. Et mon cœur aussi. Je vous souhaite de passer bon séjour dans la vallée de Kumbu. Je pense que c'est très fort. Oui. Très bien, nous aussi. Et est-ce que, n'écoutez pas les autres, est-ce que tu peux me donner un conseil pour gagner une étape? N'écoutez pas. Vous, il faut couper. Un conseil. Voilà. Un conseil. Que pour moi. Voilà. Au départ, démarrer très, très vite. Très vite, voilà. Hein? Oh. Démarrer vite. Après, un moment, accélérer un petit peu et après, pour sprinter. C'est facile. Ok. Très bien. Bon, merci. Et quand il est descend dans la descente, faut prendre un bout de lampe parce que tu sais que l'autre côté ça remonte. Voilà. Et y a pas quelque chose à manger en particulier pour avoir des forces? Ouais, manger de samba. Samba, ouais. Manger de samba. Et hier soir, ils nous ont fait boire de l'arak. C'est bon? Arak, ok. C'est bon pour la course? Ouais, c'est bon, faut dormir plutôt. Ah, c'est pas vrai ça. Je rajoute, même si je suis pas avec vous, il y a Patrick. Vous rejoignez ce soir et comptez sur lui parce qu'il a un niveau, même si je suis là, moi je focalise plus sur la sécurité et niveau sécurité, mais parce que Patrick il est encore plus pointu, écoutez bien et, parce que Patrick il est très ouvert et je pense que la plupart d'entre vous connaissez Patrick Michel, organisateur de Trail Blanc et Trail de Merel Trail Sexualé. Voilà, il sera à Kurikola ce soir. Ok. Et est-ce qu'il y aura une 7e édition du Solo Kumbu Trail l'année prochaine? Oui. D'accord. Ouais, pour moi, c'est une. Après, je pense que ça va être des endroits, ça va être un peu long comme ici, de discuter tout ça. Et pour certains, peut-être ça va. C'est un peu inutile, mais pour moi, c'est important. Important que les gens ils sachent ici pourquoi on est là et aussi les gens ils voient un peu tout ce qui intéresse de voir comment les gens ils vivent ici, la vie, tout ça, c'est important de partager. Et c'est vrai, ce qu'on se dit entre nous là, c'est que là on découvre le Népal authentique. C'est-à-dire, tu nous as ouvert les portes des monastères, des habitants, je veux dire, moi je suis venu au Népal il y a 4 ans, mais je faisais que passer. Oui, et là on s'est arrêté, et on a rencontré les gens, partagé, et ça c'est un privilège, quoi. C'est un luxe de pouvoir, c'est vrai, même on a pu voir les conditions de vie hier soir, les monastères, on a pu, en plus le maître hier, le monsieur qui a parlé, que tu traduisais, c'était des fortes paroles empreintes de sagesse et tout, et traduit par toi, c'était pour nous. Peut-être des fois on a répété un petit peu les mêmes. Non, mais ça fait rien, c'est bien. C'est bien quoi. Un ou deux mots, ça serait bien. Je suis content de traduire sa façon de voir les choses. Quoi. Et on aimerait savoir, c'est quoi l'endroit que tu préfères le plus du Solo Kumbu Trail? L'endroit. C'est ici chez tes parents? C'est totalement différent. J'aime un peu partout. Il n'y a pas un endroit que tu préfères vraiment que... J'aime bien dans le Berg Beni et Berg Dukunda. C'est là où on était sauvage. Pour moi, c'est... Le lac. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai une histoire là-bas. Mais moi, quand je suis là-bas, je sentais des endroits très énergiques là-bas. Au lac? Voilà. Ouais. Mais c'est drôle, ça nous l'a fait aussi. Hein, au lac, on était... On a senti du positif, Voilà, c'est une grosse force. Si je dois choisir un endroit, c'est cet endroit-là. D'accord. Et puis après, les beautés, les variétés des paysages, tout ça, c'est un beau partout. Parce que vous verrez dans une heure de temps, vous allez dans la bananier, oranger. Ah, ouais. Et dans deux jours, vous êtes en haute altitude.
vous êtes entouré de sommet de 8000 mètres. Bon, c'est pas fini alors. Au Rangio Pass. L'aventure n'est pas finie. Voilà, Rangio Pass, je veux dire, quand vous allez au Rangio Pass, levez la tête en face, s'il fait beau temps, tout au fond, vous avez le Makalo. Tout de suite, il y a le Hotze. Et Everest, il y a trois sommets de 8000 mètres. Et quand vous montez Gokyo Peak, vous avez le Choyu à gauche. Il y a Everest, Hotze, Makalo. Quatre sommets de plus de 8000 mètres, vous avez ouais. Devant vous. Qu'est-ce qu'ils annoncent comme temps? Ici, les météos, il ne faut pas baser sur la météo. Météo, c'est jour à jour. Moi, quand je donne la météo, c'est très tôt le matin. Je me lève et je regarde par la fenêtre ou par la... C'est des fois. Voilà. Tu vois, jour à jour. Voilà. Un jour après l'autre. Tout à fait, ouais. Toi, il y a 2-3 ans, on était dans le nuage complet. Ici, on ne voit même pas 2 mètres. Hein. Ah oui. Et même après, il pleut. Il pleut. Mais là, aujourd'hui, c'est comme ça. Très bien. Ce que je souhaite, c'est que... Le sacrifice que tu fais te permette de rentrer à Sochi avec le drapeau du Népal. J'espère. On sera derrière notre télé. Après pour moi, personnellement, pour moi, c'est si ça se fait. Si j'ai un petit problème, pour moi, ma santé est le plus important qu'un Jeux Olympiques. Ah ouais, voilà. On est bien d'accord. Ouais. Si ça peut être les deux. Tout à fait, ouais. Merci, c'est comble. Merci, Carole. En tout cas, on sera tous avec toi pour ce que tu vas faire. Aux prochains Jeux Olympiques, tu sais qu'on sera vraiment derrière toi. Merci. À 100%. Et si on pouvait même aller te voir, je crois qu'on le ferait. Voilà. Merci. Et puis, si vous voulez regarder le classement, tournez. Tu ne dois pas dire ça, Dawa, parce que tu nous apprends à être humble et finir une course. C'est bien. Et faire plaisir aussi, c'est bien. Et aller où tu vas aller, c'est quand même c'est fort, champion du monde. Ouais. J'ai dit ça pour juste pour rigoler, mais je sais, c'est important, c'est faire plaisir et participer. Ouais. Et c'est là, tu dis-toi bien que tu vas cristalliser le rêve de beaucoup de monde. Merci. Ouais. Merci. De toute façon, on sera derrière toi. Quoi. Merci, c'est gentil. Voilà. Allez, bravo Dawa. Merci Dawa. Branches into under my shoes, everything starts to gravity. I walk along to a